Bonjour à tous, bienvenue pour cette sixième édition de Future of Finance. On se retrouve pour le CFO 2.0, la finance post-Covid. Vous l'aurez compris, l'objectif est de décrypter cette rentrée, ce mouvement de fond de transformation. Avec deux intervenants, on n'aurait pas pu rêver mieux en termes d'observateurs du marché. À ma gauche, Gauthier Riche. Bonjour. Associé Finance Transfo chez Deloitte, notre partenaire. Et à ma droite, Sébastien Canizeau, également associé en Finance Transfo chez Deloitte. Je dis qu'on ne pouvait pas rêver mieux parce qu'il s'agit de nos deux instigateurs de ce beau programme Future of Finance pour cette sixième édition. Alors, je commence avec toi, Gauthier, avec votre vision transverse à toutes les industries. Qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que tu vois, toi, maintenant que le brouillard se dissipe en cette rentrée? Alors, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'activités. Il y a eu des... On l'a vu pendant la crise du Covid, la fonction finance a été très, très engagée sur le pont, oui, aux côtés des décideurs. Elle n'a jamais autant travaillé, on n'a jamais autant parlé. Aujourd'hui, ça retombe et on s'aperçoit qu'on a toujours autant besoin de la fonction finance, des financiers, et que cette culture finance dont on a pu bénéficier parce qu'on a fait tourner la fonction à plein régime pendant la crise, et ben finalement, on en a besoin encore maintenant. Il faut prendre des décisions, il faut orienter des investissements, et donc les financiers sont encore sur le pont. Donc il y a beaucoup de choses à mettre. Tu sens une accélération depuis cette rentrée ? Alors, du point de vue de nous, observateurs de la transformation, il y a une accélération ou un rythme très soutenu, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire évoluer. C'est parfois des pratiques, c'est parfois des outils, c'est parfois des organisations. Et donc, du coup, il y a énormément de projets qui se lancent. Non. Sébastien, dans la finance et l'assurance, tu as un prisme FSI, ce qu'on dit chez Deloitte. C'est le même constat. Vraiment, toutes les industries sont... très prise par le post-Covid, elles étaient déjà toutes très prises par le Covid. Le poids d'ailleurs de la finance, on en parle souvent, mais le poids de la finance, nous on trouve qu'il a encore grandi, il a fallu aider les métiers à comprendre comment on redémarrait, comment on générait du résultat dans un monde très incertain où avec les fermetures de frontières, les fermetures d'usines, la hausse des coûts de matières et autres, la finance prend encore plus de poids. Donc oui, on voit une vraie dynamique très importante et une finance qui prend encore plus de poids qu'avant, si tant est que c'est possible. La finance, globalement, en sort grandie. Je comprends, Gauthier, qu'elle lance des projets. Quel type de projet vous voyez ? Alors, il y a plusieurs natures de projets qui se lancent. Il y a ceux, je dirais, les plus évidents, c'est tous ceux qui ont trait à... renforcer les capacités de pilotage. Ouais. Pilotage de la performance financière, mais aussi de la performance opérationnelle, pour les raisons qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'on a besoin de suivre des activités, on a besoin de suivre des coûts, des rentabilités, on a besoin de tracer des investissements et savoir comment les gérer. Donc toute la partie, ce qu'on appelle EPM, là... Donc toute la partie EPM... La transformation à plein régime. Exactement, que ce soit sur la compréhension du réel, du passé, du présent, et ouais, puis aussi... la capacité à se projeter dans le futur, donc bien sûr autour des process budgétaires pour le court terme, mais aussi plus loin, la modélisation, on a vu que c'était quelque chose qui prenait de l'importance et la techno pour ça nous aide aujourd'hui. Donc les deux se rejoignent. Quand tu dis la techno nous aide, tu penses à l'intelligence artificielle ? Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la capacité des outils à traiter des volumes de données, ouais, je pense à la capacité qu'on a aujourd'hui à croiser différentes sources, qu'elles soient financières, qu'elles soient opérationnelles. Et puis aussi le fait que la finance se décoince un peu et s'autorise à créer des modèles un peu plus approximatifs. Mais on a été confrontés à des scénarios tellement incroyables au cours des deux dernières années que là, il y a des tabous qui sont tombés et donc on s'autorise à faire des choses vraiment intéressantes. Est-ce que, Sébastien, on arrive à cette fameuse finance business partner dont on a parlé depuis des années dans ce Future of Finance? Ouais, est-ce qu'on y est vraiment maintenant? Oui, ça fait des années qu'on en parle et je pense que c'est effectivement l'avènement du business partner. Une anecdote, dans l'industrie automobile, j'ai échangé récemment avec un directeur financier qui m'expliquait que depuis le Covid, et encore bien plus qu'avant, c'est un directeur financier qui anime les codires et qui explique à ses patrons d'usine, à ses patrons de marché, comment on redémarre une activité, quelle activité va redémarrer avant, laquelle...
au-delà de la rentabilité intrinsèque du produit, va consommer le plus de coûts fixes. Mm-hmm. Donc la finance, aujourd'hui, se retrouve à animer et à être ce fameux business partner, pas seulement sur regarder ses propres KPI en bout de chaîne, ouais, et à se dire voilà le PNL et c'est fini, mais à vraiment être dans l'échange avec les métiers et à les aider à redémarrer, à prioriser les produits. On a de plus en plus de finances qui participent à la tarification, par exemple. C'est encore plus le cas qu'avant. C'était déjà le cas dans le monde assurantiel, par exemple, que je connais mieux. Mais on le voit aussi dans certains secteurs industriels. Donc oui, on est à peu près convaincu que le business partner, ça fait 5 ans qu'on en parle beaucoup, mais ça devient une réalité. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle. Et sur les projets plus régaliens? Alors justement, j'allais y venir. Il y a une autre typologie de projets qu'on voit émerger. Et on est saturé, je dirais, au niveau de nos équipes sur ces sujets-là. C'est des projets qu'on avait anticipé, on savait qu'ils allaient venir. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était l'intensité de la vague. C'est tous ces projets finalement régaliens, parce que l'injonction qui pèse d'avoir une fonction efficiente et je dirais qui délivre le mieux au meilleur coût reste. Ouais. Et on sait que pour ça, il faut avoir un socle robuste d'outils transactionnels, de processus bien rodés, d'équipes bien formées, bien organisées. Et donc, on voit aussi une accélération sur ces projets d'évolution technologique. Alors, autour des ERP, on sait que SAP, Oracle ont fait évoluer leurs offres. Et donc, ce sont des très gros projets, très lourds. Les entreprises ont certainement un peu attendu pour les lancer. Elles les ont dans leur horizon. Et là, aujourd'hui, c'est l'accélération, c'est le point de départ. Le marché français rattrape les marchés européens. C'est une grosse typologie de projet, d'organisation également. Sébastien. Ouais, et ce point d'importance, c'est que pour pouvoir être un bon business partner, voire un stratège quand on est un financier, il faut que tous ces sujets régaliens soient derrière nous. Et donc, il faut absolument enfin automatiser, réduire les coûts, justement pour pouvoir se concentrer sur son rôle de pilotage et de stratège. Mais est-ce qu'ils font les deux en même temps? Est-ce que les entreprises qui vous sollicitent ont tendance à vouloir faire le régalien, l'ERP avec SAP, Oracle et Workday qui fait son entrée, les tous trois partenaires de Future of Finance, et en plus les sujets EPM? Pas tous. Mais... Ou est-ce qu'on compte d'abord, comme l'insinue Sébastien, d'abord on règle le régalien, le transactionnel, on collecte les data, on établit le socle, si je reprends ton terme, pour ensuite vers l'EPM? J'aurais tendance à dire, pratiquement tous nos clients dans tous les secteurs, ouais, lancent des projets ou améliorent le pilotage d'abord, parce que pendant la crise, c'est ce dont ils avaient besoin. Quand on n'a pas de visibilité sur son résultat à 3 mois, ouais, il faut se concentrer sur le pilotage, le forecast, les prévisions, refaire ses plans à 1, 3, 5 ans. Donc tous lancent des initiatives là-dessus. En revanche, pour être efficace, il faut des données. Ouais. Et donc, la question qui arrive immédiatement après, c'est si je veux le rendre pérenne, si je veux être capable de faire un plan ou un forecast en quelques jours et qu'il soit précis, bah, il me faut un socle. Et tout le monde n'a pas encore ce socle. Et donc, on voit apparaître des projets qu'on pensait qui allaient être plus décalés avec la crise. Mm-hmm. Mais finalement, on les voit arriver assez vite, à la fois les ERP, mais aussi les GBS. Hein, c'est vraiment très important. Les GBS, donc le modèle organisationnel intrinsèque. Exactement. Avec des projets d'organisation profonds qui se lancent très vite au sortir de la crise, avec de l'externalisation, avec du BPO, avec du nearshore, de l'offshore, tous ces projets sont maintenant, il y a une vraie effervescence autour de ces sujets-là. Bon, donc on comprend qu'il y a des projets colossaux. Je reprends la vague, si je reprends le mot que tu as choisi, je sais que tu l'as choisi. Est-ce que les budgets sont là? Il faut les financer, tous ces projets. Vous parlez de projets transactionnels, de changement de ERP, de mise en place de GBS. Bon sang, c'est ce qui coûte quasi le plus cher dans les projets de transfo. C'est des projets importants, longs. Je ne parle pas que des budgets des consultants. Qui finalement sont une part minime. Mais néanmoins, sont des budgets importants. Et je dirais qu'il y a certainement une conjoncture favorable qui fait qu'on se rend compte que c'est indispensable. Ouais. On a ralenti certains investissements, donc finalement, ça libère de l'investissement. Et puis le Covid, on a ralenti les investissements. Le COVID, il y a eu peu de projets, peu de gros projets, en tout cas. Moins de lancements, c'était lancement, plus compliqué. Et donc, etc. Les budgets sont là. Et il y a l'accès aussi à des sources de financement. L'argent est peu cher, donc il y a aussi cette possibilité-là. Les leviers aujourd'hui existent. Et je dirais, il n'est pas raisonnable d'attendre ou de se retrouver en queue de peloton pour prendre ce genre de décision. D'abord parce qu'on l'a dit, les ressources sont saturées. Le marché est quasi saturé en France, en Europe, mais même à l'international pour trouver les bonnes ressources pour vous aider à accompagner ces projets-là. Donc il y a aussi une compétition. Les ressources
au sein des cabinets de conseil, au sein des intégrateurs ou au sein même des équipes des directions financières? Je dirais l'écosystème est en tension. Ok. Tout le monde, parce qu'on recherche des ressources compétentes sur les outils, sachant que les technologies ont évolué. Pour les fonctions finances, sachant qu'on cherche des profils de chef de projet, des profils, on parlera un peu plus tard de l'évolution des métiers, mais des nouveaux profils aussi. Donc toutes ces compétences sont recherchées. Et il y a une compétition entre les projets, entre les sociétés, entre les cabinets, pour y avoir accès à un moment donné. Sébastien, si je résume, il y a de l'envie, du mouvement, des budgets, mais pas de ressources pour les mettre en œuvre. C'est un peu ça. Les budgets, je suis entièrement d'accord, ils sont là. On a pas mal d'économistes qui expliquent, je sais qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, mais qui expliquent même qu'aujourd'hui, on se finance quasiment à coût zéro et en plus, on ne la remboursera pas cette dette parce qu'elle est auprès des banques centrales. Bref, donc oui. On a eu des débats passionnants au cadre du CFO Forum, évidemment, avec Stéphane Sommier. Et Stéphane nous rappelle sans cesse que les niveaux de marge n'ont jamais été aussi élevés. Donc, la conjoncture est favorable. En revanche, effectivement, le vrai sujet, c'est les talents et surtout un changement de talents. Il va falloir plus de profils capables de modéliser. On ne parle pas d'informatique et de code. Hein, des profils capables de modéliser, de faire de la modélisation financière, de faire des projections. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes profils qu'un comptable qui passe des écritures. Si on met derrière nous le régalien avec des nouveaux ERP ou des GBS, on va probablement réduire une population de production, mais on va avoir besoin de plus de populations d'analyse capables de se projeter. Et on le voit d'ailleurs, les jeunes qu'on reçoit en entretien, même qui ont fait des écoles de commerce, pas d'école d'ingénieurs, de plus en plus ont fait de la modélisation et sont capables de faire du paramétrage des nouvelles solutions. Donc il y a un vrai changement. On a de plus en plus besoin de profils de type data scientist, mais partout, pas seulement dans des métiers d'experts sur du cyber, sur de l'actuariat, mais dans des équipes contrôle de gestion. Aujourd'hui, on a besoin de profils qui sont quasiment des data scientists, capables de faire de la modélisation, de la projection, voire du prédictif. Et ça, aujourd'hui, les écoles n'en forment pas assez, très clairement. Il n'y en a pas assez sur le marché, à la fois des experts, mais aussi des jeunes. À cela s'ajoutent en plus les compétences environnementales, puisqu'on a parlé lors du track Green Finance qu'il fallait absolument former les équipes finance aux enjeux environnementaux et sociétaux. On parlait tout à l'heure des projets, il n'y a pas encore d'énormes projets sur le sujet. Oui. En revanche, il y a une vraie dynamique. Tous les directeurs financiers s'interrogent. Des réglementations vont arriver, donc de nouveaux reporting extra-financiers arrivent qui intègrent des sujets sustainability. Et donc oui, on a besoin de ce type de compétences. Ça, c'est en développement. Il n'y a pas encore de pénurie parce que les projets ne sont pas lancés. En revanche, c'est un des enjeux d'avoir ce type de profil à l'avenir, clairement. Et d'autant plus qu'il y a ce sujet des compétences, on vient d'en parler. Et puis, il y a aussi des envies de ces nouveaux collaborateurs de fonctionner dans des modes différents. Et ça, je pense que c'est un challenge pour nous, cabinet, mais aussi pour les fonctions finances, pour tu les directions financières. Tu penses à quoi financières. Dans un mode différent? L'organisation du travail, géographique, l'insertion dans l'organisation, la projection d'une carrière dans une structure n'est pas la même. Ça peut se faire même dans plusieurs structures. Et donc là aussi, il faut repenser la manière de fonctionner. L'audit n'est pas nécessairement la voie royale pour réussir ou n'est plus nécessairement la seule voie royale pour réussir dans la finance. Il y a d'autres chemins. Les gens n'intègrent pas nécessairement une société pour y faire une carrière. Donc, il faut intégrer cette capacité à travailler dans des écosystèmes ouverts. Et c'est aussi un vrai challenge parce que les vieux comme nous devons nous reconfigurer également. Je vois que la marche est énorme, la montagne est colossale. Ça tombe bien, c'est donc le CFO 2.0, comment repenser la fonction finance. On va passer tout de suite au cas concret avec une série de vidéos toujours sur Bismart et sur Future of Finance. Merci beaucoup.